Tout a commencé en 1965, dans un pays prestigieux, riche et grand. Le pays vient de sortir de la colonisation belge et de 5 ans de guerre civile. Mobutu arrive au pouvoir. Il incarne l'espoir, la paix et l'équilibre du pays. Un amour naît entre lui et son peuple, et nous l'avons baptisé Papa Mobutu. Mobutu crée le culte de sa personnalité. Il est le père de la nation, le grand timonier, le guide suprême du peuple. Son pouvoir est autocratique et absolu. Il concentre dans ses mains tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs, judiciaires, et devient hors la loi. Bel homme, grand, autoritaire, Mobutu incarne le charisme d'un chef d'État. Nous sommes fiers de sa prestance, qui reflète l'image du grand Zaïre. Tika tika, docteur Nazakoya. Tika tika tika. Nye nye. Mon gars, c'est à Simbi, pour qu'on a voté à monter ma belle.